Ouais, c'est... Ouais, c'est... À l'intérieur de la cathédrale, voici l'ampleur des dégâts. Juste devant le chœur, les débris de la flèche tombaient plus tôt dans la soirée. Les pompiers continuent à arroser les cendres encore fumantes. L'autel n'aurait pas été endommagé et la croix juste au-dessus est restée intacte. Certains parlent de miracle car la structure générale de l'intérieur de l'édifice semble bien préservée. Au plafond, un trou béant, l'endroit